formidable. Mais c'est formidable, mon amour. Je descends de l'avion à l'instant. Je descends de l'avion à l'instant et je file à la clinique. Mais c'est formidable. Je récupère ma valise. Je suis là dans 10 minutes. J'arrive, mon... Attends-moi pour accoucher. Alors, accrochez. Hop. Oui, faites un petit effort d'imagination quand même, messieurs, dames. Hein. On pouvait pas apporter le tapis roulant ici, hein, donc moi je ne bouge pas, ce sont les valises qui bougent. Hein. Quand même un truc bizarre. J'ai déjà vu, elle. Et j'ai toujours pas vu la mienne, mais merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon, et puis il est arrêté maintenant. Oh la vache, c'est la mienne qui est là-bas, dans le petit tunnel noir, là. Monsieur, monsieur, oui, j'ai ma valise qui est bloquée dans le petit tunnel noir, et comme le tapis roulant s'est arrêté, eh bien, je me disais que peut-être je pourrais passer le bras, et non, j'attends que ça reparte, bien sûr, oui, je m'attendais à cette réponse, évidemment. Non, mais j'attends. Tu viens? Non mais vas-y, lâche-moi, fous-moi la paix, lave tes mains de ma poignée, espèce de gros bâtard. Attends, je t'emmerde, mais vas-y, lâche-moi. Wow. Y'a quelqu'un dans la valise? Mais non, y'a personne dans la valise, c'est la valise qui parle. Y'a une valise qui parle? Eh ouais, ça te défrise? Ça te défrise, c'est très vieux comme expression, ça te défrise, hein. Non, c'est pas ça, je t'explique, c'est... Bon, c'est un petit peu gênant, mais il se trouve que j'ai déjà fait un sketch où je faisais parler des patates, et je pense qu'il y a un moment donné, il faut que j'arrête de prendre les spectateurs pour des cons. Oui, bah ça, c'est ton humour, hein, mon vieux, alors tu assumes. Ouais, c'est pas faux. Bon, alors pourquoi tu ne veux pas sortir du tunnel? On voyage dans la soute, dans le noir. Après, on nous met dans un container, dans le noir. Après, sur un tapis roulant, dans un tunnel, dans le noir. Et quand on sort du tunnel, bah je suis désolé, ça m'éblouit et ça me fait mal aux yeux. Parce que t'as des yeux aussi. Quitte à prendre les gens pour des cons, autant pas le faire à moitié. Hein. C'est pas faux. Et d'ailleurs, ils sont où les yeux sur une valise? Dans ton cul, puis tu sais quoi, les oreilles, elles sont... Non, c'est bon, je veux pas savoir où sont les oreilles. Donc alors c'est pour ça que t'es toujours la dernière sur le tapis roulant, c'est parce que ça t'éblouit. Bah ouais. Et puis c'est aussi un petit peu pour t'emmerder aussi, j'avoue. Hein. Bon, alors, et les autres valises, alors pourquoi elles sont dernières? Ça, j'en sais rien, tu leur demandes. T'as raison. Oui, c'est un petit peu absurde, excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous parlez? Est-ce que, non, parle pas, ça. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que, pourquoi vous êtes toujours la dernière? Non, mais elles parleront pas, c'est une idée de merde. Oui, vous parlez, vous? Oui, hein. Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous, par exemple, vous êtes toujours la dernière sur le tapis roulant? C'est parce que moi, je suis pas un nerveux, hein. Je me marre. Ouais, d'accord. Et votre voix me rappelle quelque chose? Bah oui, Arnaud, c'est Babas, je fais la voix du sac en coulisses. Non. Oh, tu le savais qu'il fallait pas demander à Babas. Bon, allez. Bon, c'est bon, elle m'a expliqué, on y va. Youhou! Y'a quelqu'un? Ben oui! C'est Jean-Loup, le sac à dos! Oh, salut Jean-Loup! Oh, salut Baloche, qu'est-ce que tu fais là? On se fait la bise? Oh non! Moi? Non, chez nous c'est quatre! Moi? Moi? C'est chiant! Eh oh, pas d'accord, non! Oh, jamais tu me fais assez ou quoi? Oh non, pas les chaussures, j'ai pas écrit ça quand même. Eh non, c'est l'autre, l'autre chaussure. Ah, c'est l'autre chaussure, ouais, d'accord. Voilà, doucement la languette, attention. Oh,
salut la chaussure, qu'est-ce que tu fais là? Putain, c'est toi, Jean-Loup. Mais c'est Jean-Loup le sac à dos. Oh, hein, Jean-Loup, viens lâcher ta claque d'eux. Bah, fais-moi la bise, vas-y, fais-moi la bise. Putain. Bah, non, mais je peux pas vous faire faire la bise. Allez, fais-moi la bise. Attention. Putain, il me déglingue la semelle, l'autre. Oh. Allez, la bise, là. La bise, la bise. Putain, tu nous fais faire la bise ou quoi? Oh, la bise. Ah, salut, basket. Salut. Moi. Moi. C'est quatre. Ah ouais, quatre encore, quatre. Ouais, putain, quatre, moi. Et si on a... gueule, hein. C'est bon, hein? C'est bon. C'est j'y bon. Crois même pas à ce que je suis en train de faire, là. Hey! Hein? Allô? Oui? C'est... Oh non, c'est qui, là? C'est Calvin! Aïe, aïe, j'ai peur. C'est qui, Calvin? Calvin le caleçon! Oh non, merde! Là, on commence à parler, c'est là. Non. Salut, le lâche. Non, là, il y a un moment. Mais non, comme vous êtes super bavard là, vous savez ce qui va se passer? Vous allez rester là, puis vous allez trouver une chute à mon sketch. Parce que moi je me barre, ok? Hop, 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 hop. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Calvin? Bah écoute, toi tu te barres si tu veux, mais moi j'ai bien envie de rester. Tu sais ce que ça implique? Justement. De toute façon. Ouh là là! Oh la vache! Attends. Allô, mon amour? Elle a accouché! Oh, elle a accouché! Elle a accouché! Oh, ça fait super plaisir! Elle a accouché, Michel! Voici pour Arnaud de sa mère! Éric Métayer sur 20, 19. Catherine Darma, 19. Jean-Ben Guigui, 20. Ah ouais. Ben moi aussi, 20, moi aussi. Ouais, ouais. Et... Oh là là. Ça va. Ça va se bousculer dans les classements là. Jean, moi je suis très ému, voilà, je vous le dis, quand un degré comme ça de qualité de, d'écriture et de choses comme ça, je suis ému parce que c'est un grand artiste, parce que là, avant il avait, quelquefois il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un peu abstrait, c'est un peu abscon, là c'est drôle, c'est très intelligent, c'est populaire, les gens rient tout le temps, le public va lui mettre une note énorme, vous savez. Et arriver à avoir une note énorme d'un public en étant aussi exigeant sur la qualité de l'écriture, du comique, de l'appréhension de la vie en général, c'est très fort et je dis bravo. Très bien, Jean. Catherine. C'est la folie à l'état pur. Son jeu est fou, ses textes sont fous, la situation est folle. De penser sur un sketch, une valise qui est restée coincée et nous amener à ça, c'est énorme. C'est vrai. Vous voyez, même Catherine Barma, ça la fait rire. Alors là, franchement, là, c'est tout public. Éric Métayer. Non, bah c'est voilà, j'ai rien à rajouter sur ce que disent mes camarades, mais le truc, c'est surtout d'amener une forme de comique que j'adore personnellement à une compréhension du tout le monde. C'est ce que je dis. On part dans un truc complètement fou qui pourrait, si tout d'un coup vous demandez qu'est-ce que tu vas faire comme sketch, voilà, j'ai pensé à une valise qui va parler à une chaussure et en même temps ils vont se faire la bise derrière avec un sac à dos. Je vous jure que derrière on peut faire ouais, écoute, il va tout seul, moi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tous fait la voix derrière. Mais en tout cas, il arrive à l'amener à quelque chose de compréhensible et universel. Bravo. Bravo Arnaud. Merci, oui, Arnaud. Bravo Arnaud. Un grand merci à mes camarades qui ont fait les voix, qui ont eu le texte un peu tard et c'est enfin je sais pas si vous arrivez à deviner l'entente qu'il y a dans cette troupe, mais oui, tout le monde on la ressent et ça nous fait plaisir. Tout le monde bosse vraiment et un grand merci à eux. Voilà. On est vachement contents. 20 plus 20 plus 19 plus 19, ça fait un total de 78. Merci.